Bonjour, je m'appelle Sabine Crossan et je vais jouer le rôle de Lisa dans le prochain court-métrage de Mélanie Grandcourt, Les arbres sont bleus. Ce film parle d'un sujet assez tabou, un sujet délicat dont on en parle peu. Là, il s'agit d'une petite fille, Asseline, qui subit des agressions très importantes, qui changent sa vie et celui de ses parents. À savoir qu'il y a plus de 75 000 agressions par an en France, dont 81% sur les jeunes et 1 sur 2 sur les enfants de moins de 11 ans. Je suis ravie de faire partie de ce film, de pouvoir parler de ce sujet dans un contexte un peu plus doux, dans un monde féerique, fantastique, qui nous permet de mettre ce sujet dans un contexte qui est plus compréhensible, peut-être pour les jeunes aussi, mais aussi pour les parents, leur donner la permission de voir que c'est possible d'en parler. Mélanie crée un monde incroyable où Asseline va se retrouver. Et dans ce monde, elle amène sa mère, Lisa. Et là, ils vont trouver les peurs incarnées d'Asseline dans le fond de la croque-mitaine. Et les deux ensemble, ils vont se battre pour pouvoir vaincre ce monstre. Malheureusement, le monde fantastique touche le monde réel et a des conséquences assez importantes. Les arbres sont bleus, c'est magnifique comme court-métrage. Quand j'ai lu le scénario, j'étais émue, j'étais très touchée. J'ai trouvé ça osé, mais aussi très poétique et très actuel. Je vous demande donc de nous soutenir dans notre aventure, de venir en aide comme vous pouvez pour qu'on puisse raconter cette petite histoire merveilleuse qui va aider les jeunes de nos jours et leurs parents à en parler. Les arbres sont bleus. À bientôt.